Gros coucou tout le monde, bonjour pour ceux qui n'étaient pas là pour le matin au niveau du Final Fantasy, surtout si vous regardez en vidéo à la demande. Ça n'aurait ni queue ni tête. Far Cry 2 pendant deux bonnes heures. J'aimerais en finir avec cet excellent Far Cry 2. Ah, les chants africains. Ça m'avait manqué. Oula, j'ai le jeu qui se met à ramer, merde. Pourtant c'est pas un jeu de métro, ni de bateau. Voilà. Putain, ça me rend fou quand il me dit 73% de la quête principale. Mais plus le temps passe, plus la probabilité que je fasse un jeu après le tableau mystère à 20h s'effondre. Parce que j'ai très envie de jouer à Raft en fait. Alors, ma mission était... Alors j'ai toujours le bug perpétuel du bandeau d'infos, vous avez quitté sans encombre la zone de cessez-le-feu. Mais à force de le voir, après des dizaines d'heures, pour vous ça fait partie du décor et de l'interface naturelle. Ce qui est faux, mais c'est pas grave. Je suis PS après. Merde, il faut que j'aille au truc rouge. Pourquoi? Donner l'acceptation de Mabunte à Tombossa contre ses diamants. Mabunte m'envoie présenter à Tombossa son accord pour un traité de paix. J'ai toutefois la consigne de ramener Tombossa une preuve de sa bonne foi en diamant. Qui sait, peut-être que c'est la fin de la guerre, malgré ce que vous serez peu pensé. D'accord. Ah oui, alors je vais vérifier si mes armes sont taquées. Visiblement, c'est le cas. Ouais, ouais, cool. Ah mince, comment je fais pour... Ah oui, c'est ça, le de zoom, des zooms. Oui, je suis assez proche de la mission, en fait. Hop. C'est sacrément beau les salopards, je peux déjà retourner dans le... En plus ils m'ont bousillé mon... Ouais bah je prendrai leur jeep à eux. Ils m'ont déjà bousillé la jeep casse, c'est fou ça, refait fan. Je ne sais plus conduire, j'ai raccroché la bagnole, tout va bien. Donc je vais retourner chercher une trousse de soie puisque les salopards m'ont allumé au flingue. C'est pas ce qui était prévu au programme. D'ailleurs, j'ai un doute. Non, c'est là que je trouve la trousse de soins. Attends, je me soigne. Clac et clac. Voilà. Donc je ressors, je reprends le véhicule, cette fois-ci en pleine santé. Merci. Là-bas. Voilà, là il y a le véhicule qui est en flamme du coup avec les dépouilles des deux moustiques. Tout va bien chez Far Cry, chez normal. Voilà, je suis bien rapide. Passer par là visiblement.
Bon, je rappelle que couper à travers champs, c'est dangereux d'en faire pareil, mais quand on sait ce qu'on fait, ça peut payer. Bon, là, je ne sais pas véritablement ce que je fais, donc... Ouais, je vais m'arrêter là, parce que ça devient... Ouais, le gars, il est où? Il sera en face. Putain, c'est la poule. La poule m'a fait flipper. Merde. Putain, j'entends des trucs cramés. Pourquoi? Oula, il y a eu un carnage ici. Oula, il y a des habitants qui ont été liquidés. Wouah, qu'est-ce qui s'est passé? Rune Achievement. Oh, c'est passé un truc. Ah! Alors là... Là, il y a un souci, là. Qui c'est qui les a butés? Récupère la manette de diamant et retrouver Nasrin Davar. La mort subite de Tombosa ne va pas faciliter les choses pour cet accord de paix, ni pour moi. Au moins, le cadeau est déjà prêt. Je dois récupérer la manette de diamant et déguerpir d'ici. On dirait que Nasrin Davar avait vu juste. Merde. Alors, je me souvenais pas de cette trame scénaristique, vous voyez. Bouge pas, je te tranche la gorge. Oh, le chacal. Merde. C'est toi? Si t'es ici pour le cessez-le-feu, t'arrives trop tard. Un accord de paix, quelle farce. Des putains de comédiens, ouais. Tu crois que ces hommes veulent la paix? Ils veulent surtout un peu d'intimité. Ils veulent que le monde arrête de les regarder sans arrêt. Comme ça, ils peuvent violer et piller tranquillement, tu vois. Tout ça va s'arrêter. Je vais les arrêter. Et ils me maudiront quand ils sentiront leur sang jaillir de leurs artères. Et tu ne vas pas m'en empêcher. Tu penses que je te connais pas? Que je sais pas ce que t'es venu faire ici? Réveille-toi, avant j'étais comme toi. Ils vont croire que c'est toi qui as fait ça, un seul petit mercenaire qui ferait tout pour un peu de pégase, tant mieux. Ça veut dire que la guerre va reprendre. La première saignée a commencé. On va soigner la maladie de ces gens. Toi et moi, nous allons la sortir de leur veine. T'as quoi là? Les diamants? Sacré chacal. Belle intro en matière pour une reprise de Far Cry 2, c'est wouh! Ah merde! Ah merde! Merci Nash! Ah merde! Ah, il va falloir que je vous rejoue la scène! Merci Nash, mon dieu! Ah, tu as raison! Oh, j'ai mal cliqué! Il faudra peut-être que je sépare mes scènes différemment dans BS. Oh merde, va falloir que je rejoue la scène, elle était trop bien. Alors attendez, oh je suis désolé. Alors je vais rembobiner, hein, ça va être simple. Je vais recharger ma partie et puis... Alors attendez. Alors, ah bah tiens, je suis dans une prison. Alors, charger une partie. Oui, bah c'est bien, j'étais en route. Donc vous allez revoir la scène du chacal. Donc en fait, c'est le chacal qui a fait le carnage. Ah oui, mon plan 16/9 est le numéro 2. Et mon plan face caméra est le numéro 3. Alors sur une dizaine de scènes... Si je clique la ligne en dessous, voilà ce qui se passe, quoi. Ah, merci de m'avoir signalé, Nash. J'aurais pu faire toute l'après-midi comme ça, hein, si vous ne l'avez pas dit. Hein. Il faut surtout pas hésiter à être réactif dans le chat, à me dire j'ai commis une bourde. Aïe, 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 aïe. Oui, donc, je disais, on voit le carnage. J'arrive pour l'échange de la mallette de diamant et le traité de paix. Sauf qu'on devine que le traité de paix va pas se faire. Vu le carnage épouvantable. Tiens, d'ailleurs, ça, je l'ai pas vu tout à l'heure. C'est tant mieux. Et la hutte où était le chacal, c'était celle qui me fait face là-haut.
Donc on va revoir le chacal, et je disais, ça fait une intro géniale pour une reprise de Far Cry 2. Il n'y a pas mieux pour la narration, puisque c'est l'antagoniste, entre guillemets, l'antagoniste de cet opus. Vous allez voir que tout n'est pas si clair. Voilà, mon contact est mort et la mallette est là. Bouge pas, je te tranche la gorge. C'est toi. Si t'es ici pour le cessez-le-feu, t'arrêtes moi tard. Un accord de paix, quelle farce. Des putains de comédiens, ouais. Tu crois que ces hommes veulent la paix? Ils veulent surtout un peu d'intimité. Ils veulent que le monde arrête de les regarder sans arrêt. Comme ça, ils peuvent violer et piller tranquillement, tu vois. Tout ça va s'arrêter. Je vais les arrêter. Et ils me maudiront quand ils sentiront leur sang jaillir de leurs artères. Et tu ne vas pas m'en empêcher. Tu penses que je te connais pas? Que je sais pas ce que t'es venu faire ici? Réveille-toi, avant j'étais comme toi. Ils vont croire que c'est toi qui as fait ça. Un sale petit mercenaire qui ferait tout pour un peu de caillasse, tant mieux. Ça veut dire que la guerre va reprendre. La première saignée a commencé. On va soigner la maladie de ces gens. Toi et moi, nous allons la sortir de leur veine. T'as quoi là? Des diamants? Ah. Alors, je crois que c'est la dernière ligne droite. Je crois. Hein. Donc, le chacal s'est fait une joie de me foutre en prison. J'ai essayé de te prévenir. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as pas apporté les diamants? Le pilote a pas attendu. Il a dit pas de diamants, pas de passagers. Et il s'est envolé, en laissant tout le monde derrière. Ensuite, les soldats sont arrivés. Ils collent l'assassinat sur le dos des étrangers. Comme nous, ils vont essayer de se débarrasser de nous. Debout! Non. Je vous en supplie. Non. Emmène-la. Ouais, la malheureuse, c'est la fin pour elle. Ça refuse pas. Médoc et machette, pourquoi pas. Wow. J'ai droit à la carte ou pas? Ah ouais. La prison, j'ai droit à la carte. Ouais, ça sent la fin là. Ça sent la fin. Voilà, sauvegarde, je la fais rapide. Ah là, il y a des petits airs de soldats de fortune. Soldier of fortune. Oula, chargement, oui, ok. Eh, j'espère que je vais pas collectionner les bugs graphiques dans le jeu. Si tous les intitulés restent figés, ça va pas le faire. Non, ça va, il est parti. Oula, là, ça va être sport. Oh putain, il y a du monde là-bas. J'aime bien le message qui est pas de circonstance, vous avez quitté. C'est la fin de ce monde, merci le chacal, il a assassiné Tom Bossa. Quand je me suis montré, il m'a assommé, il m'a laissé porter le chapeau, mais voilà dans une cellule, Dieu, c'est où? Ouais. Le problème c'est que je me barre sans mes flingues, mais si je rejoins une armurerie, je peux repartir de zéro. Même pas de mirador à la sortie de la prison, génial, j'en ai une porte ouverte, tu peux te déplacer comme tu veux. Alors je suis à poil, je suis d'accord, je suis pas allé chercher mes affaires confisquées dans une partie de la prison, mais sortie de là, je peux me barrer vers une armurerie normalement. Je fais un braquage à la Grand Theft Auto justement, je braque une bagnole. Je me barre dans une armurerie et je suis neuf comme un sou. Je suis tout propre comme un chou neuf. Oula. Ouais non là j'ai bon. J'avoue j'ai abusé.
Attends, si j'essaye de faire la prison, de voyager dedans, qu'est-ce que je peux faire? Ah, j'ai déjà un flingue là. Quoi? Hein? On va vérifier. Ils m'ont même pas vu, ces cons. Incroyable, mais vrai. Tu vois quelque chose? Que dalle. Et toi? Bonjour. Il y a de l'action. Ça me plaît bien. J'aime bien l'ambiance. Ouch. J'aurais pas dû faire ce déplacement. Attends, j'ai pas une top visibilité. Ouch. Aïe, merde, je me suis fait abattre. Faut que j'évite de me lever sans savoir ce que je fais, en fait. Trop risqué. Finalement, la scène d'action dans la cour de la prison, je l'accepte. C'est quoi? Hein? On va vérifier. Ils ont lancé une attaque! On peut rien faire ici! On peut pas l'arrêter! Merde. Contre qui se bat? Pas mal. Joli carton. Merde, allons-y alors. Tu veux te faire planter? Il est temps de mourir, connard. La sauvegarde, parce que je suis fier de mon massacre. Tiens, il y a même... Non, j'ai même pas logé le pare-balles. Je sais plus si c'était géré dans Far Cry 2. Les... Oh. Oh, je sais pas si c'est un méchant ou un gentil, donc je vais éviter de tirer à l'aveugle. Non, je les ai tous trucidés. Tu m'étonnes. C'est énorme quand même si j'ai réussi à faire le ménage aussi aisément. Attends, je vais voir les étages supérieurs. Vraiment. Ok. Ouais, ça c'est la sortie. Mais du coup, comme je maîtrise la situation, je vais rester un peu. Non, je peux pas aller dans les cellules, je peux pas forcer là. C'est bizarre ça quand ce moment-là. Je me disais bien que j'avais pas un... Là oui, là je suis d'accord. Il y a la grille du dessus, il y a la grille du dessus aussi. Ok. Mmh.
Ah, il y a peut-être un autre sous-sol avec un autre escalier qui mène sur dans d'autres geôles, peut-être. Vérifions ça. Ouais, là, c'est bizarre. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Attends. Non, c'est pas une serrure lambda. Là non plus, je pense pas. Ouais, c'est du bon métal qui tient. C'est pas conventionnel, on va dire, comme porte. Ça fait bizarre de voir du mobilier noble dans cette cellule de prison. Aller dans la baraque centrale, elle est cloisonnée. Vraiment étrange. Ou alors c'est la prison, mais une deuxième partie pour la toute fin, à mon avis. Et un retour à la prison, mais pour autre chose. Normalement, ça, c'est la voie vers la fin du jeu. La dernière portion où il faut se barrer du pays à la frontière. Mais on verra ça plus tard. Je sais pas si on le verra aujourd'hui, je pense pas. Ce sera peut-être le week-end prochain ou dans 15 jours. Oui, non, c'était les cellules. Ah, attends. Ah, attendez. Je suis pas allé par ici. Alors. Excusez-moi, messieurs. La situation est sous contrôle. Ah. Alors. Oh! Que si tu l'as pas fait, je m'en occuperai moi-même. Va-t'en, je suis trop faible pour courir. C'était ma coquille Pierre, je l'ai pas reconnue. Oh, elle a mal au boyau, la pauvre, elle a dû se prendre une mauvaise balle dans le bide. Mais non, c'est pas fini, ma grande. C'est pas fini. Ouais, bah, sauvegardons. Allez, j'écrase une ancienne sauvegarde. Mystérieux. Ouais, pourquoi je peux pas ouvrir les portes? Je veux ouvrir les portes. Mais non, ce sont des cellules vides normalement. À moins qu'il y ait d'horribles choses que dissimulent ces portes lourdes. Ça fait peur, ayez peur. Donc du coup, je suis pas allé là, je crois. Non, je peux rien faire. Il y a une étrange lumière qui émane de. Moi, je verrai pas. Je peux faire le mariole devant la. Je verrai que plus. Bon. Alors. Ah, grenade. Non, j'ai pas le droit de prendre la grenade. Ah ouais. Bon, bah dommage. Alors, la sortie de la prison, je ne sais déjà plus où c'est. Ça, j'avais. Ah, bah attends, je vais cliquer et puis je. Hop. Dopage.
Dopage. Dopage et je me barre. Elle est trop bizarre cette prison. Il n'y a pas de diamant ici? Non, il n'y a rien. Ah, j'ai perdu mon flingant de nord, c'est dégueulasse. Oh bah le coup du flingant nord aura pas duré longtemps. C'est comme si c'était une arme trouvée dans un lieu planqué, une casbah qui était barricadée. Je l'avais pas acheté, donc normalement je devrais pas. Malheureusement je devrais pas pouvoir la retrouver. Ah oui non, c'est là qu'il faut que je sauvegarde, parce qu'il y a des loustiques à neutraliser pour avoir la bagnole. Parce qu'il y a du diamant. Oh, ça clignote à mort. Il y a du diamant dans cette baraque. Je comprends pourquoi il y a des mecs qui la gardent. Hey, t'as déjà essayé de parler avec le docteur? Sur l'œil gauche. Je peux pas le regarder. Je vois toujours qu'il parle à un mec derrière moi. Fiche-lui la paix. Il s'est fait ça en essayant d'enlever une grenade qu'un type avait dans le ventre. Le gars a commencé à paniquer et il s'est barré. La grenade a explosé et le doc s'est pris un éclat dans la tête. Aïe. Je sais pas pourquoi, mais c'est tentant de faire l'idiot, vraiment. Je sais pas ce que je voulais faire, mais bon. Non, j'y arrive pas. T'es sûr qu'il y a quelque chose par là ? C'est pas ce que je voulais faire, j'ai fait nappe. Je pensais avoir les grenades en main et en fait c'était les molotovs. Donc l'effet escompté est pas du tout le même. D'ailleurs, oui. Ah, salopard. Il m'a bien allumé, enfoiré. Je me sens sacrément vulnérable là dans cette scène. C'est quand même terrible. Oh, ça prend pas. L'endroit est trop humide. Wow, ça fait beaucoup de soins là quand même. Oh merde! Oh, t'es juste devant moi, je l'ai pas vu. Ouh, comment qu'a sauté le panier à linge? Oh, sympa ça. Merde, il y a une qui arrive. Ouais bah l'autre, le temps qu'il arrive et qu'il cherche à faire un demi-tour, laisse tomber. Ah. D'accord. Oh, 3 diamants, sympa. Et il y a un petit air à comment ça s'appelle, Resident Evil 5. C'est pas mal, parce qu'on est presque dans le village avec les mecs à bouclier africains là.
Il y a quelque chose. Ah, des nouvelles armes dans l'inventaire. Dans l'inventaire, dans l'armurerie. Ah bon? Alors ça, c'est mes pattes. Merde. Oh! Non, c'est pas ça, je remballe le... Il est où, ce niveau? Et t'es mort. T'es touché, t'es mort. Ah, attends, je vais lire la carte paisiblement, moi. J'ai envie de dire autant prendre un bus. Attends, je vais prendre leur bagnole. Comment effacer ces traces? Changer de véhicule régulièrement. C'est horrible. Mais le pire, c'est que les malfrats font pareil. Attends, il est où le bus? La vache, il est pas à la porte d'à côté. Oh, j'ai de la route à faire. Ici, à l'occasion, je peux tomber sur une armurerie, ce serait plus bénef. Hop là. Ouch, je sais pas si j'ai pris la bonne direction. Pas sûr. Attends, j'ai un doute, là. Non, non, j'ai pris la bonne route. Merde, mais c'est pas vrai. Oh merde, j'ai pas le temps de me soigner, mais... Alors, ce qui est emmerdant, vous l'aurez compris dans le scénar, c'est que ma partenaire était dans une autre cellule. J'ai réussi à lui ouvrir la cellule pour qu'elle se barre. Mais elle était mal en point. Et elle peut pas m'appuyer dans mon... Elle se démerde, elle, de son côté. Là, à mon avis, les séquences où t'as un coéquipier mercenaire qui vient de donner un coup de main, c'est terminé. Hein. C'est le grand final et c'est démerde-toi le couteau entre les dents. Alors, je sais que... Oh, incroyable. Non. Mais non. En plus, j'ai l'impression qu'il y a eu un mort, là. Il a eu un gisement de... Au moment de ma mort, c'est que le gars s'est loupé, il a dû se planter en bagnole. Alors, tac tac, je m'avance un peu. Ils arrivent, je me soigne. Attention, vite. Ok, je me suis soigné, il arrive à me buter. Leurs balles sont ultra performantes. Et performantes. Violence ultime. Il m'a saucé. Je peux tenter une variante, ça passe pas non plus. Merde alors. Bon bah non, j'ai même pas mon engin explosif télécommandé puisque je sors de la prison, je suis à poil, presque. Ah ah, la bonne blague. Je peux même pas faire la variante piéger la route. Je n'aurais pas cette opportunité. Bon, la sauvegarde là, parce que j'en ai marre de redémarrer la même séquence. Voilà, ils m'ont tellement bien fait suer que je vais faire exploser le véhicule, parce que j'en ai marre.
hein. Voilà, que ça fume bien noir et que ça pète. Merci. J'en ai ras le cul, Lulu. Na. J'ai gagné. Ah merde, je fais fumer le mien aussi. Oh. Solide le véhicule, il n'a pas encore pété. Ça y est, il a pété. Alors je pense que j'ai droit à un comité d'accueil. Ah oui, bah ils m'ont vu. Ils détalent comme des lapins. Merde, il y a un strike. Ah, je suis mal barré. Oups, j'ai calmé un Rambo. C'est où que ça bouge? C'est là où le jeu est bien foutu avec une... pas savoir qui tire. Bon. Ça tourne bien. Ça me plaît. Ouais, ça clignote pas, pas de diamant. C'est pas perdu. Ok. Tranquille. Je suis tranquille. Et c'est chaque bon. Ah non, c'est pas tranquille. Salopard. C'est qui chez Loustic? Je pense pas que je puisse faire usage d'un molotov. Ah si. Il y en a un deuxième, ils ont essayé de me prendre en sandwich. Est-ce qu'il a essayé de me contourner? Peut-être. Restons sur nos gardes. Comme ça. Sur la droite. Oh non, il y en avait encore un. Non mais c'est fou ça. Donc je risque d'avoir un poursuivant là. Il va prendre le véhicule qui restait sur place et il va me courser.
Ah, il y avait un truc dans le secteur. Qu'est-ce que j'ai loupé ici? Ah, il y a un truc là-bas. Il y a rien. Ah oui, exact. J'ai entendu un tir, mais j'ai pas compris pourquoi. Oh, je vois un navire de patrouille au loin. Cimetière improvisé. Ah. Bah alors. Oh merde, j'ai loupé un convoi. Oh. Marina, je peux trouver des armes, donc je vais y aller. C'est le repère des mercenaires en espérant qu'il n'ait pas été visité. Non, monsieur. Attends, je me suis planté de direction. Merde, je suis allé dans le mauvais sens. Et ils m'ont buté. Comme ça, c'est la totale. Allez, hop. Ah! Il y a mon chauffeur liquidé, c'est horrible. Salut. Essaye de m'écraser, essaye. Merci pour la grenade. Qui finalement d'ailleurs me sert à rien. Donc. Faut que je fonce et que j'aille à la prochaine à droite. C'est pas la mer à boire. Peut-être mieux y arriver avec la, citadine. Voilà. Je sais pas, je me suis retrouvé désorienté. Allez savoir pourquoi. Dévalise la pharmacie pour pas changer de réflexe. Par contre, j'étais intrigué quand on disait que des nouvelles armes étaient disponibles. Ça, ça m'a intrigué. Je pensais que j'avais tout déverrouillé, mais il faut croire que non. Ou alors j'ai droit à du bonus, à du rab par rapport au grand final qui s'annonce à nous. Enfin, qui se présente à nous. Je sais pas. Bizarre. Eh, j'ai quand même un attirail à la Terminator, hein, je voudrais pas dire, mais... Mmh.
J'ai le giga lance-grenade, j'ai... Allez, on y est fou, on achète le Carl G qui est un lance-roquette de ma boule. Soyons fous. Soyons fous. Nouvelle amélioration, bah oui. Ouais. Hop, je reclique sur l'ordi. C'est un peu couillon, mais bon, il faut d'abord acheter l'arme, se déconnecter et se reconnecter pour avoir accès aux améliorations de la dite arme fraîchement achetée. Ne me critiquez pas, ne me jugez pas, c'est le jeu qui est comme ça. J'y peux rien. Voyez, fiabilité, Carl G. Carl G. Hop. Accessoires, j'ai tout ou pas? Allez, jamais 203. Toi, être devenu accro à l'internet. L'internet des mercenaires. Donc là, on devrait plutôt parler d'un intranet. Enfin, encore que le terme est abusé, parce que... Enfin, bref. Je vais pas vous faire un cours d'informatique raison, on n'est pas là pour ça. Je pense qu'il n'y a plus personne dans le bar. On va vérifier. Ah ouais. Tout le monde s'est fait la malle. Oh, c'est d'un triste. Oh. T'as envie de chanter la chanson de Jean-Louis Aubert, là, je sais plus si c'était avec son groupe téléphone. Voilà, c'est fini. C'était Ib, l'alarme à l'œil. Ding 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 ding. Voilà, c'est fini. Non, c'est là où on achète, c'est là où on prend les armes. Je veux aller à l'armurerie. Alors, mon nouveau joujou, il est où? Il est là. Le Carl G. On va tester le Carl G. Dans la baie, dans la bille. Pop. Oh. C'est beau. C'est surtout efficace. J'ai un lance suppositoire. Ça va dépoter. Alors, qu'est-ce qu'il y aura le poteur? Oui. Ah, c'est aussi d'accord, ok. Fusil pépon, fusil à lunettes. Ah oui, fusil à lunettes. J'adore faire mon snipe. Oh, avec un silencieux. Oh, je vais faire des assassinats délicats. C'est horrible. J'ai les deux extrêmes. Assassinat délicat avec une arme de poing à silencieux. Et le gros lance-roquette de la mort qui tue. C'est horrible. Et au niveau des missions, je peux faire quoi? Alors attends, déjà je sauvegarde. Ça, c'est pas comme si je m'étais cassé le cul à optimiser mon matos. Retrouver Graves à... Ah oui, à Sefapané. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je prenne le bus. J'avais déjà zappé. La 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 la. Pourquoi je vois un point levé? Attends, je suis surpris. Regardez bien la carte. Si vous regardez bien à gauche et à droite, on voit un point levé de résistance.
Ça me perturbe parce que ça voudrait dire qu'il y aura une potentielle mission. Attendez, légende. Le point levé veut dire quoi? PC de la résistance. Ah bah tiens, le détail de la mission. Je suis tiré d'affaire, mais avec la mort de Tombosa, les deux camps sont en alerte. La situation est tendue et personne ne veut dégainer le premier. Nishola Graves m'a appelé à Sefapané. Les affaires ne continuent pas vraiment comme d'habitude ici. Il veut qu'on se rencontre. Je veux même pas savoir pourquoi. Ouais. Je vais aller rendre visite à un camp de la résistance, là, parce que je suis intrigué qu'on me propose dans le dessin. Finalement, le bus et le rendez-vous Sefapané va attendre un petit peu. J'aimerais tirer au clair des missions à Mèche. Ça va peut-être changer la destinée du pays. Ah! Mais il est fou, lui! Il roule comme s'il était sur l'autoroute. Non mais dis donc, vous. Ça a pas de rouler en excès de vitesse? Vous êtes mis à la manche, monsieur. Mourrez. En gros, c'est ça. Un point levé, ça doit être... Ahmed Ben. Oh non. J'avais oublié, elle. La Miss. La Miss Ahmed Ben. Ta 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 ki da di da da di da di di du du. Y'a quelque chose. Y'a quelque chose par ici, ça clignote dans le radar à diamant. Merde, pourquoi je peux pas sauter? Oh, c'est quoi ce bug ridicule? Bah. Ah, c'est encore la partie surélevée. Oui, non, mais qu'il aille se faire en papa outé. Le diamant là pour récupérer, vas-y. Hein. Je sais pas quel périple dans le jungle il faut faire, mais c'est pas pour moi. Oh merde, les lumières devant. Ah bah voilà, je suis mort. Ce qui devait arriver arriva. Je bois un coup. Je présume que les troubles faits vont venir jusqu'à moi. Oui ou non? Non, bah, je suis pas convaincu là. Ah bah, il faut que je descende du véhicule pour qu'il se pointe. Magnifique. Eh, je vais être vilain. Je vais me faire plaisir, hein. J'ai pris un lance suppositoire. J'ai investi dedans. Je vais me faire plaisir. Voilà, je vous attends. La 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 la. Bien dans la trajectoire du véhicule. Je pense pas que le chauffeur ait le réflexe d'avoir un coup de volant pour esquiver ma roquette. Ta ta ti ti da di da da. Ah merde! J'ai oublié de charger. Oh, c'est ridicule. Alors, cette scène n'a jamais existé, déjà. Je tiens à déclarer officiellement. Oh non, mais c'est nul. J'ai la scène qui va durer 3 heures alors qu'elle aurait dû durer 3 secondes. Mais non, mais non, mais c'est un scandale. Mais recharge, vilain brutive. Il y a l'ancienne roquette qui est encore toute chaude dedans. Faut arrêter. Enfin, le culot qui a pas sauté. Bon. Alors. Une Jeep en enfer. Acte 2. Quatrième prise. Normalement. Ça s'est passé comme ça. Ah, voilà. Ça, c'est propre.
Une élimination dans les règles de l'art. Et du cochon. Bon, cette carcasse fumante non seulement fout le feu à la jungle, mais en plus me barre la route. C'est un autre souci. Non ! Je veux passer. J'en ai rien à poutrer. Je vais réparer mon véhicule. Non. Où veut-il ? Donc sur la carte, il est où le point levé ? Attends. Ah bah il est tout proche ! C'est la prochaine casse-bas sur la gauche. Voilà, oui c'est ça. Alors normalement, je pense pas qu'il soit hostile à mon arrivée. Du moins j'espère. Oh, ils ont dû se barricader. J'ai bien peur qu'il n'y ait rien ici pour toi. Sérieux ? C'est intéressant ouais, ce que disait la radio. Salut. Non, je veux pas passer le temps, je voulais ramasser le... Ah bah non, c'est vrai que j'ai plein de... Ok, j'ai rien dit. Oh mon Dieu ! Ces gens vont bien, surtout ces dames. Oula. Bah regardez pas comme ça, monsieur, vous faites peur. Non, bah non. Le QG de la résistance, il se démerde. Visiblement, ils ont plus besoin de moi. Bon, bah au revoir, les gars. Heureux de vous avoir connu. Pour vous délivrer le fond de ma pensée, j'ai souvenir d'une excellente mission à faire au niveau de... Bah là, tout proche de l'aérodrome. Il y avait un politique à évacuer du pays. Et j'ai pas souvenir de l'avoir faite. Je pense que ça va être la prochaine mission. Ça m'avait marqué à l'époque de faire cette mission. Elle était vachement bien écrite, bien scriptée. L'arrêt de bus. J'y crois plus là. Lycée en face. Merde, encore excité. Wow. Putain, j'y suis allé au snipe à bout portant. Le truc qui se fait pas. Oh, puis là, ce qui est chiant, c'est que... Enfin, bref. Là, je vais m'adapter. Oh, ça va. Je pensais qu'il allait plus m'enquiquiner avec le fait de m'avoir encastré, mais... Bon ben voilà, le petit trajet en bus, ça va détendre, non? Alors, je voulais aller là, exactement. Ouais. Je crois que j'ai le droit à une sauvegarde en plus quand je me plante dans le bus. C'est vraiment une transition maligne et un moyen pertinent d'aller à bout en bout de la carte. Le bus, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. J'aime bien le principe. Waouh, on voit la qu'on appelle ça, la savane en plein jour. Aïe aïe aïe. Est-ce que je peux rejoindre Sefapani par la flotte? À pied, je crois que c'est faisable. Bah écoutez, on va se promener. Ambiance safari.
Non. Attends, pourquoi il me dit 1h32? Ah, 32 secondes, oui, pardon, j'ai failli dire 32 minutes. Oui, non, ça fait tout juste une heure que j'ai repris mon antenne. Parce que je me disais 1h30, j'y croyais pas. Là, je sais que le temps passe vite, mais à ce point... Allez, un petit peu de nage. La 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 la. Je sais plus si je dois aller sur le pont ou pas du tout. Oh, j'aime pas ce que je vois. Merde. Mon point de rendez-vous a, disons, un peu chaud. Qu'est-ce que c'est que ces émanations de fumée? Ne me dis pas que le chacal m'a encore devancé et a foutu tout feu et à sang. Il en serait capable. Ce qui intéresse le chacal, c'est pas spécialement de faire couler le sang, c'est la conséquence de ses actes, ça. Mais c'est surtout en bon marchand d'armes, il veut entretenir le feu sur les braises, que le conflit soit bien actif pour vendre ses flingues et ses munitions. Ah là là, sacré chacal. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ah, puis ça fume bien noir, là. C'est un bon incendie. Qu'est-ce qui est en train d'être calciné? Oh là là, il y a un QG qui a sauté, là. Il y a eu un attentat, là. La maison a été soufflée. Hey mec, quoi de neuf? Bah, quoi de neuf? Quand je me suis réveillé ce matin, elle recouvrait toute la toile de ma tente. Arrête tout de suite. Quoi? Aujourd'hui, c'est juste des araignées, mais demain, ce sera des sauterelles ou des rivières de sang. T'es sur les nerfs, mon pote. L'autre malade, c'est indépendant. Il nous rend tous un peu dingues. Tu dis ce que tu veux. Moi, j'ai recommencé à prier. Et tu devrais faire pareil. Non, je suis au taquet au niveau des... Salut, mec. Alors, mon rendez-vous est en face. Oh mon dieu. Non. Comment ça se passe? Ça se passe dans le bâtiment. Ah bah voilà. On bouge plus. Sans armes, désolé. On pourrait écarter les bras. Comme ça, plus de retraite possible. Bonjour Poupon. Attends. Voilà. Oh merde, il y a des dialogues. Alors voici ce qui se passe. Je me retrouve responsable de toute opération. Je vais prendre la situation en main une fois pour toutes. Montrer à ces petits garçons comment on fait. Le premier job, c'est de se débarrasser de Mbantoué. Faire place nette, tout ça, vous me comprenez? Vous le trouverez à la brasserie. Il aura ses gardes, alors ça risque de chauffer. Je paie bien. Voilà les détails. Waouh, 40 diamants, oui, il paye bien. Bonjour, Poupon, bisous. Ah oui, attends, je te lis parce que la vanne, elle est bonne. Mais elle est bon, c'est un classique. Alors, le bon chasseur, il voit un truc qui bouge, bon, il tire. Mais le bon chasseur, il voit un truc qui bouge, bon, il tire. Mais c'est un bon chasseur. Oh mon dieu. Je serai à Porcé là-haut. Retrouvez-moi au bureau quand vous aurez fini. Mmh. Ah, dur, dur. Y'a rien à l'étage? Oh là, je me souvenais plus qu'il y avait 3 étages. Vache. Je comprends pas. Ah, c'est le toit. Je me disais aussi. Ah.
Eh B. Big up aux inconnus, bien sûr. Ouais, ouais. Big up. Non, je crois que le sketch que je préfère, encore qu'il y en a beaucoup, hein, tellement qu'ils étaient géniaux, mais celui qui finalement m'a plus marqué, c'est le coup des vampires avec les impôts français. C'est... À chaque fois que je le vois, je dis, mais c'est terrible, mais c'est horrible, mais c'est ça, quoi. T'as pas fini de te faire pomper ton fric. Enfin bon, bref. Aïe, aïe, aïe. Bon alors, carte de mission. Allez, c'est reparti pour un tour. Je me rebarre à l'autre bout du pays. Est-ce que je peux emprunter une bagnole? J'ai pas l'impression. Nous sommes Cancra, Ursaf et Cambalas. Nous sommes les frères Kerapeto, c'est ça. Ah, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Ce repère de... Ouh, ça fait flipper. Attends, c'est quelque... Ah non, c'est un animal. Ah, je vais rejoindre le bus à pied. T'as fait du bien, un peu de calme. Le mode promenade est pas désagréable. T'as la cambrouche africaine. Dans la cambrouche africaine. Ouais, faudra que je reprenne l'habitude de flâner un peu plus souvent sur ton canal, poupon. Parce que c'est vrai. Encore que je te reprocherais. Enfin, je te reprocherais. Je te ferai remarquer, pardon. Que t'as pas mal démarré plus tard vers les 22h ces dernières semaines. Ce qui m'a refroidi. Hein. Tu sais que je suis plutôt un couche-tôt, lève-tôt comme garçon. Mais là, j'ai vu que tu refaisais des séances à 21h. Et il faudra que je reprenne le... l'habitude de venir me poser devant ton direct du soir. Ouais, des reproches, t'as vu, je deviens vilain. Non, mais c'est vrai, c'est dommage, quoi. Je dis, bon, c'est constant, je sais que t'as pas forcément l'horaire de ton choix pour des raisons vie réelle personnelles, je conçois parfaitement. Mais il n'empêche que je t'ai loupé, quoi, si tu veux, pas mal d'occasions. Sauf le samedi, alors je dois être traumatisé du samedi, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Ou alors c'est moi, je ne sais plus, j'en suis navré, mais ça reviendra, je reprendrai le... Bon, je te confesserai que t'as fait de l'Alan Wake, et Alan Wake, j'adhère pas, ça me fait fuir.
Pourtant, ça m'a tout l'air d'être vraiment un bon jeu, mais j'ai du mal à me justifier, mais Alan Wake m'a toujours fait fuir. J'ai jamais accroché. J'ai essayé. Hein. Et, rien à faire. Merde, c'est la nuit. Arteux, c'est la nuit. Alors, je voulais traverser l'étang, enfin le lac avec un navire. Oh, j'ai une belle embarcation de pêcheurs du pays, là. Encore que vivre le rendez-vous de nuit me dérange pas trop, mais après il faudra que je repasse au jour parce que vous en plus vous n'y verrez rien sur le direct, c'est une catastrophe. Oui, c'est pas grave, mais ça fait un petit bout de temps quoi, que je suis plus régulier à passer sur ton canal, c'est là où je m'en veux un peu. Surtout que je sais que ça me ferait du bien. Ça me videra la tête. Comme ça peut être pas mal. Ah merde, j'ai loupé mon assaut. Dommage. Je pensais faire classe presque à la James Bond avec le 9 mm, mais non. Il m'en a pas laissé le temps. Oh, c'est dommage. Non, pas ça. Faut pas déconner non plus. Oh, ils sont trop nombreux. Et oh là. Wouah, mais si ils sont 650 et que c'est une fourmilière, je vais pas m'en sortir. Non, mais tu m'aimes plus, j'ai bien compris qu'il y a des méros. Oh, c'est pas vrai. Il est parti. Il est quelque part par ici. Où es-tu? Vite, il est pas attaché. Il l'a pas chié, pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bon bah alors là, je vais devoir prendre une arme de masse qui est le molotov ou la grenade, parce que j'arriverai pas à rentrer dans le bâtiment sans me faire saucer de toutes parts. Je suis encore bien content d'être arrivé pas trop amoché à côté de ce mur. Oh là là! Mais il y en a encore plus dans la baraque! Mais non! Mais c'est pas possible! Je vais jamais réussir à revendiquer les lieux là, c'est. Qu'est-ce qui se passe, les paumés? Il est pas loin! Où tu l'as vu la dernière fois? Voilà. Bon, j'ai bien été averti qu'il y aurait du peuple, mais à ce point, moi. Bon, bah je vais finir par croire que je me suis foutu dans la mouise. Merde, c'est paumé. Il est pas loin. Merde, où tu l'as vu la dernière fois? Voilà. Merde, c'est lui. Oh, ils sont... Oh, merde, c'est lui. Merde. Ah non, ils ont des bonnes armes. Ils ont des bonnes armes. Là, ça va être balèze au possible. Balèze au possible, comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe, les pommes? Là, il faut que je tactique, là. Il me manque une. Pas moyen, on bouge pas. À couvert, vite!
Je pense pas avoir de solution de repli. Si j'essaie de passer par là. Ah mais non, je me suis encastré. Oh là là. Allez, saute. Mais non, mais l'autre il est étourdi. Oh, l'autre il est essoufflé. Oh, faut arrêter. Bon, remarque, ça marche pas non plus. Bon, bah enjamber un mur effrité, il est pas capable. Oula, contrôle 2. Je savais même pas qu'il y avait un deuxième opus à cette saga déjà dispo. Donc il va tomber l'année prochaine. Le contrôle A était déjà difficile à piger. Alors, oui. Eh, pas mal. Eh, pas mal. J'aurais pas à dire, mais je m'en sors. Ah, sympa. Du coup, une fois que je suis dans la baraque, je suis plutôt à mon avantage. Alors, c'est lui. Alors, attends, je relis la mission, parce que la dernière fois que je devais intimider un homme, je l'ai abattu froidement, donc ça n'allait pas. Alors, allez à la brasserie et tuez Bumbletree. On dirait que Graves a des ambitions. Il dirige la PR après la mort de Tombosa. Il m'a envoyé éliminer Bumbletree une bonne fois pour toutes. Je le trouverai terré à la brasserie. D'accord. Bon, on va faire ça de manière honorable. S'il a une dernière volonté, je suis prêt à... Fous-moi le temps d'ici, avant que je décide de te faire vraiment mal. Ici, c'est ma maison, mon pays, mon continent. T'es un charognard et un intrus. Bah, comme le chacal. Bon, une dernière volonté, ou... Voilà, au moins c'est honnête, il a un flingue. Hop là. Ah. Oh, il écoutait même pas la radio, ça aurait pu détendre. Ah. Jolie masque africain. Ah, Max Payne Remake. Yeah. Une arme de destruction massive, tu as le Munster. Oh. Tu vas mourir. Tous les jours contrôleur. Oh, contrôleur, mon dieu. Oui, pas sûr du tadeau, mais... Faudrait quitter notre poste. Restons ici et restons concentrés. Alors, maintenant que j'ai trucidé, il se passe quoi? Se rendre, la mission est dispo. Avec mes derniers succès, j'ai le choix des armes. Je vais faire un tour en ville pour dénicher un meilleur job. Ah ouais? J'ai carte blanche à nouveau. Alors, j'ai carte blanche, bah juste en ville apparemment. Bon, bah. Si vous le dites. Ok, recule. La vraie française bâtard essaie de nous retourner. Bon, ça parle mal. Oui, je suis à l'étage. Tu vas mourir. Hey, pourquoi oui, la place pas sûre maintenant. Merde. Merde. Oh, j'ai plus de balles. Aïe. Aïe, draw you now. Haché, Banyanga. Merde, il va me passer. Non, ça c'est trop puissant ça. Ça éventuellement. Oh non, il m'a eu! Ah merde! Dommage. Je pensais pouvoir me la péter, mais non. Perso, ras-le-bol des remakes, je veux du sang frais comme dans Vampire. Je suis bien d'accord avec toi pour moi. La vraie française bâtard essaie de nous contourner. Ah, je me suis toujours rêvé.
Ah non. Putain, j'ai essayé une balle dans la tête propre, j'y suis pas parvenu. Non mais c'est nul là. Oh là là. Le mec il a mangé par balle hein, parce que j'ai vidé mon chargeur 8 balles. Le mec il se portait comme un charme. Bon, faut dire aussi j'ai un silencieux donc les balles sont amorties. Okay, voilà, la vraie française bâtard essaie de nous contourner. Il m'aurait fallu des charges de feu. Bordel, il est là. Mais il va mourir lui. Putain, c'est pas vrai. Il va me rendre fou ce gars. Tu gardes bien ta trace et on va le ramasser. Oh, je vois quelque chose. Il est là. Bah, y'a du bol. J'ai tellement mal tiré au snipe. Ah bah j'ai eu lui derrière en même temps. Mmh. Oh la tête des mercenaires. Bon, il serait peut-être bien que j'aille dans une planque faire passer la nuit là, parce que nuit noire, on voit que pluie. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a un véhicule en patrouille. J'ai vu un loustic, dommage. J'avais une chance de le dégommer, mais j'ai loupé. Re dans le sky. Visiblement, il y a un navire en attente. Bien vu. Le mec qui tire au mortier est là-bas. Oh! J'ai localisé le gars qui gère le mortier. Ça va être sport. Mais en même temps, faut que je me redirige vers la rive du lac, puisque je vais me barrer en navire jusqu'à la capitale, là où je pourrais choisir une autre mission. Alors, je vais... Oh merde! Ah ouais, non, mais là, tu peux sauter de joie, là. Là, tu m'as surpris, mec. Je m'attendais pas à voir du monde. Attends, du coup, il y avait une trousse à pharmacie. Ouais. Là, il soulève tellement de poussière que... Voilà, on n'en parle plus. Terminé. Déjà, il n'y a plus de patrouille mobile. Adieu, j'ai vendu, diront certains. Alors, le gars au mortier, alors qu'on voit fumer les distilleries. Merci pour la livraison de navire, c'est apprécié. Oh, le mec est sur la rive opposée. Quoi, il y a encore le stick? Ah, je l'avais pas vu.
Aïe! J'étais pas... Je suis pas assez éloigné du point d'impact. Dommage. Pourtant, j'ai snipé, vous l'avez vu, le tireur au mortier sur la rive opposée. C'est vraiment dommage. Ah! J'aurais presque mieux fait d'aller me planquer dans l'eau. Salopard, il était où? Merde, je le vois plus. Il était là-bas. Qu'est-ce que j'entends? Je retire mes écouteurs parce que... Merde, ça va péter! Oh non, mais c'est pas vrai! Les balles sont tellement performantes que les navires ont pété. Oh merde. Mais non, mais je veux pas traverser le lac à la nage, moi. Oh, c'est honteux. Je sais pas, il se passe du boucan dans le quartier. Je pense que c'est encore les voisins qui prennent leurs aises. Bon, je prépare Stardew Valley, dit Dragon Sky, car ce dimanche je me repose et en guise de planning, je sais pas encore. J'ai pas encore fait le programme. Ah, dommage. Je me serais régalé de te voir sur Stardew Valley, mais si tu la sens pas, te force pas. Faut que ce soit un plaisir. Bah, ce sera Stardew Valley dimanche prochain. Lac à la nage, ouais. Non, mais pas de bol, quoi. Je fais une éliminisation propre, et puis mes balles font tellement de dégâts que tout a pété. Je suis dégoûté. Vraiment. Pff, oh là 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 là. Alors, le 1 km nage libre, ça me gave. Mais voilà, on y a droit. Faut que j'aille en face. Juste à côté du lac à papier, ouais. Poupon à papier, mais ça va prendre l'eau. Oh là, il y a encore un fou au loin. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est bien, tu prends ton bain en même temps, double usage. Bah vu comme ça, oui. Mais c'est pas le plus passionnant que je vous ai offert en direct, voyez. Merde. Il y a une patrouille encore. Ah bah c'est eux qui auraient dû venir à moi pour me faciliter la tâche. C'est raté. Allons bon, qu'est-ce qui crame en face? C'est quoi en face? Ah merde! Mais je me suis détourné de mon... Ah chiotte, c'est pas là que je voulais aller! Eh ben voilà ce qui arrive d'aller de nuit à la nage là où on voit rien. Voilà le résultat, je suis complètement paumé. En voyant cette nage, je suis obligé de prendre un sub tir. Mais non. Non, 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 et déconnez pas. Hein. Ne prenez pas d'abonnement au-dessus du niveau 1. Honnêtement, vous perdez votre fric, je vous le dis comme je pense. Ça va surtout à Amazon, alors non, 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 on n'est pas là pour ça, arrêtez, pitié. Dès le début, j'ai tout fait pour mettre en place de quoi vous dissuader de faire la bêtise là. Alors, voilà, je me suis fait détourner l'attention par un feu. Et j'ai toujours pas de navire pour me barrer à la capitale. Ah, une bagnole peut-être. Finalement, je vais peut-être prendre la route. Ah oui, je vais prendre la route. Je vais prendre la route.
Hop là. Merci, la livraison de véhicules est appréciée. Ah, direction la capitale. Moi, je vais prendre un sub-tier 5, mais j'ai pas trouvé. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, comme vous êtes en... assez agité, si je peux me permettre, dans le chat. Je rappelle que la nuit de la Saint-Sylvestre, je vous diffuserai des promenades inédites. Que sont mes 4 promenades anonymisées avec ma frangine que j'ai faite cet été. Dans la forme anonymisée, donc parfois il n'y aura pas de son pour... masquer la discussion. Ou parfois la séquence sera coupée. Il y en a qui savent pas conduire. Je mettrai les 4 à la suite la nuit de la Saint-Sylvestre, en gros de 18h à 6h du matin. Je vous expliquerai le moment venu ce qui va se passer la nuit de la Saint-Sylvestre. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas la chance de réveillonner mais qui veulent autre chose que les bêtisiers de la télévision française, vous pourrez toujours flâner sur mon direct Twitch. Je vous présenterai ma belle région Lorraine en fait. En 4 points différents, en 4 promenades différentes. Il y en a une d'ailleurs, je suis ravi. Ma frangine m'a fait un beau cadeau. On est parti dans les Vosges, près de Vittel, la ville de l'eau minérale. Et il y a des beaux trucs à voir. Et c'était même d'ailleurs assez sauvage. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Je vais enregistrer des mini-séquences vidéo où je mangerai avec mon fond là, où je vous ferai une présentation. De la promenade avant de vous la diffuser, je vais vous expliquer un peu les aboutissants, ce qui s'est passé et savoir où est-ce qu'on est localisé dans la promenade. Je vais essayer de faire ça dans les 15 jours, un truc assez correct. Au moins que vous ayez une vision éclairée de ce que vous pourrez observer de mes promenades. Et il y a vraiment des beaux trucs, hein. Je suis vraiment chauvin et fier de ma région. Il y a des espaces naturels où se promener, c'est un pur bonheur. Je me suis régalé. Et encore merci Poupon pour le matos. Hein. Tu vois, j'essaie d'y faire honneur au maximum. Du coup, si on... Message de fin fan 1992. J'adore Marc-Olivier Vaugiel, je troule. J'aurais fait avec Nayone cette saison, j'aurais fait 9 promenades. 5 plus 4. 9. Vous m'aurez dit en 1er janvier dernier que tu vas faire 9 promenades, je ne l'aurais pas cru. Et finalement, je suis parvenu à m'organiser. Pas 11, oh, l'autre il est vraiment... Alors, Poupon, concernant les abonnements, j'ai préféré monter un Tipeee pour éviter d'engraisser Twitch. Une idée pour toi éventuellement? Oui, éventuellement. Encore que... Alors, j'y reviendrai aussi au 1er janvier. Je préférerais encore, si vous voulez vraiment m'aider et participer à la bonne ambiance générale, mon pot commun qui finance la location du serveur Minecraft. Parce que j'avais fait une évaluation du coût à 200€ pour les 2 ans à venir. Et en fait, avec l'inflation, j'étais loin du compte. La prochaine facture va s'élever à 260€. Donc, ça douille. Mais j'y reviendrai dans le détail, je vous expliquerai le comment du pourquoi au 1er janvier. Ouais, Nash, ça fait mal, ça fait mal. On a quasiment, on passe de 200 à 300 pour la même prestation, ou presque. Mais il faudra que je vous donne des explications éclairées et détaillées du comment du pourquoi. Mais en fait, ils anticipent, si tu veux... Alors, ils absorbent une partie des coûts qui ont augmenté, qu'ils n'ont pas pu appliquer avant. Et en même temps, ils anticipent la hausse de l'électricité. Et quand tu es prestataire de services informatiques avec des grappes de serveurs qui tournent, ça fait très mal la hausse d'électricité. Donc forcément, ça se répercute sur le prix des services proposés. Mais bon. Bref, attends, il faut que j'aille où? Ah, il faut... Attends, à chaque fois, je me présente du côté opposé du village. Salut, mec. Il faut que je traverse toute la ville pour avoir mon job. Mais non, pas par mois, c'est pour 2 ans. C'est 260€ pour 24 mois. Non, mon Dieu, quelle horreur. Mais je reviendrai sur le...
J'y reparlera français peut-être correctement une jour. Et voilà. Attends, j'entre comment dans la casse-bas là? Attends, je suis pas au bon endroit. Ah oui, merde, c'est la suivante. C'est le PSDI standard. Nous reparlerons de ça. On ouais, avance ouais. plus. Pas d'armes, allez, bras écartés. Ah, à cause de ça, je me suis dit que tu avais changé d'avis sur les abonnements de Twitch. Mais je te rejoins, Poupon. Hein. L'idée d'un Tipeee, il y en a beaucoup qui le font. Je te rejoins complètement. parlera bien la French. Non, mais j'ai mal prononcé. Enfin, c'est pas grave. Je te connais, toi. Du Nord. C'est moi, Arthur Okepo. Tu te souviens? Avec Kwasi, c'était il y a une éternité. On dirait que tu travailles avec Greaves. Comme tout le monde, maintenant. C'est un problème. Je parle de Greaves. Hein. T'as remarqué qu'il n'arrête pas de discuter avec Purefoy? Les types comme nous sont indépendants, ils regardent ça de l'extérieur. Ils sont pas ici. Ils sont partis ensemble en mission, une mission d'enquête, à Sepoko. Au passage frontalier, ils préparent sûrement un coup contre nous. Tu devrais les tuer, tous les deux. Je te paierai. Allez mon gars, ça marche. Toi et moi, on est une équipe. On pourra faire plein de choses quand ces gars-là seront hors d'état de nuire. Tiens, voilà l'argent. Ils sont à Sepoko. Si tu te dépêches, tu peux aller les cueillir là-bas. Mmh. Et j'ai pas accepté la mission, rien. Ok. Ok, bien. Mmh. D'accord, mission acceptée. Ça. Non, je suis au taquet pour les... la pharmacopée. Ouais, je veux bien sauvegarder un coup en dur. Encore une petite demi-heure de Far Cry et puis on basculera sur Coucou et Jess, sur le Lego et compagnie. Hop là. Ça va, mon rythme est correct aujourd'hui. J'aurais pu faire pire, j'aurais pu être plus en échec. Et on voit que je suis assez frais, je m'en sors plutôt bien, je suis content. Je vous fais pas trop de la merde, voilà, pour parler comment. Salut. Allez, à Sepoko et tuer Greaves et ses hommes. Mon vieil ami Arthur Okepo. Gardez le fauteuil de Tambassa bien chaud. Je ne l'avais pas vu depuis les Boasako. Ma réputation de révolutionnaire lui a donné des idées. Il veut que je tue Greaves et le reste du commandement au passage frontalier à Sepoko. Une fois ses généraux écartés, Arthur Okepo sera le seul maître à bord de la PR. Ouais, mais sur la carte, ça se dessine où, en fait? Oh, bordel! Oh, bordel! C'est sur l'angle de l'Afrique. Enfin, de la zone, il faudra que je prenne le bus. Ouais. Pour que j'aille vite. Allez, bougez votre boule! J'ai un bus à prendre! Ça parle mal! Oh, par-dessus le mur. Chiche! Non, il y a des pics. Attends, je vais m'arracher les coucougnettes. C'est pas une bonne idée, là. Merde, le bus il est pas là, il est où? Ah. Oui, vous allez par là-bas. La concurrence est bonne. Bon, je vais virer mon adjectif à beau. Zoubi. Bisous, à plus, Poupon. Bon week-end. Ah, puis ce soir, on va retrouver Nash sur Kick pour du Zelda. Ah, ah. J'irai te faire un coucou quand je dînerai, à mon avis, Nash. Et puis après, je me mettrai en sous-marin parce que je m'enregistrerai dans mon coin mon épisode solo de Raft. Mais je garderai un œil sur ton... via l'écran secondaire, sur ton... tes aventures. Ta-ta-ta-ta-ta... Touk! Eh oui, bon week-end, bon, comme tu l'as chouette fan. Oui, pas de soucis, les Nash. De toute façon, je vais enchaîner 4 heures de combat. Ah oui, grand boss final. Oh la vache, oui, ça va être beau. Oui, tu vas patater, oui. Je retiens jamais son nom. Merde, j'avais déjà sauvegardé, mais c'est pas grave. Sheko. When nothing less than the best will do, Sheko. Non, pas encore le boss, je vais faire le second DLC. Ah, pardon.
Ah oui, le coup du temple, machin, tu m'avais expliqué en plus, ça me revient. Avoir une amélioration de ton épée légendaire, et ouais, je me souviens maintenant. Ah bah, il fait presque jour. Alors, pas assez à mon goût, mais il fait presque jour, finalement. Bon bah, je sais bien, je vous aurais fait une petite partie nuit. Oh merde. Voilà. Putain, lui, il est débile. Merci, j'apprécie la livraison de véhicule. Je vais pouvoir me déplacer plus rapidement. Ah. Merde, il y avait une armurerie. C'est vrai? Ah oui, il y avait une armurerie. Oh. Le matos que j'aime va plutôt. Je devrais pouvoir me satisfaire. Oh merde, il y a du monde. Oh non, lance-roquette! Attends. Ah mais elle est pour moi! Bon, si mon flingue est pas rechargé, je peux pas dégommer la roquette en plein vol. C'est dommage, ça aurait été classe. Et ce n'est que du combat, Ninash. Bon, j'ai établi mon programme de la semaine pour venir sur les Discord respectifs. Ah, je te dirai avec plaisir tout à l'heure, Dragon Sky. T'as bien fait. Nashaveman dit « Pétard, je commence à avoir faim. C'était un mauvais plan pour ce midi. » Bah, tu vas être un peu décalé. Fais-toi un bon goûter, je sais pas quoi. Ah, c'est le mec là-bas. Non? Oui. Voilà. Évidemment, le flingue se coince. Je vais me faire des gnocchi, oui, un demi-kilo, ça requinque un homme. Bah écoute, fais comme il te plaît. Hein. Non, moi j'ai un peu varié, mais vous vous souvenez, je vous avais dit que je m'étais fait des croque-monsieur précédemment au cheddar. Et là, j'ai une autre promo sur un autre fromage qui est présenté en tranches, ce qui évite évidemment d'en foutre partout, contrairement aux gruyères. Je me suis fait des fromages au cumin, mais plus fort que le cheddar. Je sais plus. Au Gouda. Je me suis fait des croques monsieur Gouda. C'est pas dégueu. C'est encore une autre variante, pas dégueu. Prends le temps comme un pro de pas... Oula, il y a du monde. Oula. Merde. C'est intéressant, mais j'ai pas pris la bonne arme. Là, j'aurais pris mon lance-roquette. J'aurais fait, mais alors, un jeu de domino, de... Enfin, un effet domino d'explosion, ça aurait été un truc de malade. Je vais vous lire un pardon dans le chat une fois que l'action se sera un peu calmée. Oui, c'est Dragon Sky qui m'a écrit en dernier. Alors, ce midi, j'ai mangé des entrées œuf mimosa, plat principal burger fish avec ratatouille comme dessert yaourt aux fruits. Oh, mon, c'est beau, tout ce luxe! Ah, rappelez-moi que de m'inviter à votre table, les gars. Vous mangez trop bien. Vous me faites envie. Vous êtes des fins gourmets. Des vilains diront que vous êtes des gloutons. Que vous avez tout mangé.
Il ne reste plus rien après votre passage à la tablée. Évidemment, j'allais faire le tir du siècle et mon arme s'est enrayée. C'est là où on rigole. Comme ça. Oh l'autre, il meurt cramé, c'est nul. Bon retrait, oui, à tout à l'heure, oui, oui, bonne popote et bon appât à toi, Nashelman. Non, mais vous avez vu, je suis mort de des flammes qui sont sorties de mon lance-roquette. J'ai même pas eu le temps de me soigner, ça c'est naze. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Oh oui alors. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'ondaine, en passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'ondaine, en passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, avec mes sabots d'ondaine, en passant par la Lorraine, en passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots. Bizarre, il n'y a plus de véhicule d'intervention. Merde, il y a un snipe. Il est où ce con? Il est pas sur la montagne ici. Merde. Attends, il est où le gars? Vu la trajectoire des balles, il est en face. Alors, par la fenêtre, il est pas au niveau du sol, si. Ah si, il était au niveau du sol, le gars. D'accord, ok, bien joué. Rien à redire. Ah merde. Voilà, au moins on n'en parle plus. Merde, ah bah lève-la l'autre excité de la dernière fois. Terminé aussi, très bien. Ouh, dur. Oui, non mais y a pas de soucis que c'était là. Merci à toi d'être là. Voilà, le jour se lève tout doucement, c'est la violence. Un matin on a flic. Ça part très mal. Et la parodie abjecte. Le dimanche à Bamako, c'est jour de prise d'otage. Oh, c'est horrible. J'ai honte, ça me fait mal. Les pauvres Africains. Là. Alors qu'ils ont une culture magnifique en plus, tous les pays confondus. Surtout dans l'artisanat, ils font de ces trucs, c'est génial. Et je trouve que c'est trop méconnu malheureusement.
Ouais, je vais prendre le véhicule pour me barrer. Il y a deux contenus additionnels dans Final Fantasy XVI. Ok. Oui, merci pour le clip, PJ. Merci, j'avais même pas vu que t'avais fait un clip. C'est cool, merci tout plein. On va passer au Lego. Hein. Je vais vous faire le vote. Tant pis, je ferai la mission une autre fois. Oh, bah alors, le jeu qui crache violemment. Alors, démocratie totale. Déjà, vous allez gagner le droit de voir ma tronche. Je vais vous proposer donc un vote au niveau des Lego.